Donc, soyez vous bénis. Ce que je remarque, c'est que vous ne suivez pas. Vous, à qui c'est destiné? Vous ne suivez pas. Des choses sont dites, vous ne suivez pas. Dans votre pays, les choses sont dites. Les choses là, on est pendant que tu es prêché. Le Saint-Esprit dit, Yaoundé sera barricadé. Yaoundé sera barricadé. Ça va arriver où on va fermer Yaoundé. Et puis tu dis cela, tu restes tranquille. Les gens sont assis, te regardent, ils entendent tout simplement. Je suis étonné des styles de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Normalement, quand en entendant ces choses, quelqu'un va demander, frère, quelle est la période de ces choses et qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétien? Tu finis, tu parles, parce que tout le monde circule bien, parce que tout se passe encore bien. On regarde comme ça, de quoi est-ce qu'il parle? Et quand ça va commencer, tu appelles que frère, pardon, c'est grâce, je peux parler au frère Junior, il veut savoir comment il faut faire. Vous savez, quand on parle comme ça, je suis en train de manger mon dolé qui m'a servi. Il mange tranquillement. Vous comprenez? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ici pour la ville de Douala maintenant? Vous vous souvenez, j'avais dit qu'il y a un groupe qui va se lever du côté du nord pour soulever, et notre soulevant qui va se lever là-bas pour réclamer aussi que ce sont les voix des gens abandonnés. Oui, frère Moïse, tu avais des questions? Prenons rapidement là, et puis je vais avoir... Ma question, c'est d'abandonner. Merci, Père. Je crois qu'il faut qu'il parle de ce pays ici. En tout cas, parle. On a là tellement dit, mais ça va changer quoi. Le même chapitre. Verset 7. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Oui. Il voulait savoir comment l'esprit rend témoignage. Ça, c'est un bon témoignage. Ça, c'est une bonne question et un très bon thème que si vous voulez, on va développer maintenant. Mais il faut qu'il finisse d'abord, c'est que je fais, je vais revenir là-dessus, d'accord? Comment le Saint-Esprit rend témoin à notre esprit? Voilà. Alors, parce qu'en réalité, tout le monde dit, ok, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Ce passage-là dit clairement que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu? Oui, je suis enfant de Dieu. Comment? Il m'a fait à Christ depuis longtemps. Saint-Esprit t'a-t-il dit? Et comment? Dit comment? Alors, de toute façon, des questions, pose la question, mon cher. Luc chapitre 14, verset 26. Oui. Pendant que les gens sont de le suivre, qu'est-ce qu'il va dire? Si quelqu'un vient à moi, oui. S'il ne haït pas, son père, sa mère, ses héros de là-bas, sa femme, ses enfants, il ne peut pas être mes disciples. Ce père, il ne peut pas être mes disciples. Quelle est la question? Quelle est la compréhension? C'est celle de manière vraie et véritable. Tu es disciple. Tu vois, quand il pose la question, il s'attend le moins à ce qu'il pose cette petite question. Est-ce que tu es disciple de Jésus? La question c'est qu'il pose là, c'est compliqué, frère. Oui. Tu es disciple de Jésus. Oui. Pourquoi tu as réfléchi pour répondre, frère? Tu es garçon, tu n'as pas besoin de réfléchir que je suis un garçon ou quoi, tu vois. Bon, si tu es disciple de Jésus, est-ce que tu as haï ton père et ta mère? Non. Mais quand tu as lu cela, tu n'as pas trouvé ça bizarre? Je veux comprendre, c'est pas littéralement ça. Voilà, donc ça veut dire que nous n'avons pas dit que tu... Désormais, quand tu es chrétien, maintenant tu hais son père, n'est-ce pas? Mais quand tu regardes bien, pour pouvoir suivre Jésus. Et c'est pas seulement son père et sa mère dont il a dit, il a même parlé de sa propre vie. C'est pas ça. Hein? Qu'est-ce qu'elle a nous avoir parlé? La vie du monde. Donc ton père est un mondain, quoi. Donc il y a un autre enseignement que nous avons fait avec à la radio Bonne Nouvelle, c'est 4 parties. C'est quoi porter sa croix? D'accord? Il faut écouter cela. Donc il est question ici de l'abandon de soi total pour que c'est Christ qui soit le tout. On ne peut pas venir à Jésus-Christ en étant vous encore. Si tu viens, première chose, il faut qu'il te tue. Parce que quelqu'un doit vivre, quelqu'un doit mourir. Comment tu fais des faces de visage comme ça, frère? Pour qu'il donne sa vie, n'est-ce pas, il a dû mourir. Quand toi tu donnes ta vie, tu prends quoi? Donc tu donnes ta mort à Christ, tu prends sa vie. Il doit avoir substitution. D'accord? De la même façon, comme il y a une substitution à la croix, il faut qu'il y ait substitution de vie. Autrement dit, la Bible déclare que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Donc tu vois que moi, je ne peux pas vivre avec Christ. C'est pas ça, c'est vrai? C'est ça, n'est-ce pas? Dans Galates chapitre 2, verset 20, il est dit... J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. C'est ce qu'il dit, non? Maintenant, ça veut dire que la personnalité de Paul est mise totalement à l'écart. C'est Christ qui prend le dessus. Le problème, c'est maintenant entre le conflit entre l'homme intérieur et l'Esprit de Dieu. D'accord, frère? C'est ça qui est révélé dans la Genèse quand Dieu dit, Adam, où es-tu? Dieu cherchant l'homme pour venir vers lui, pour pouvoir le réconcilier. Quand on est uni à Christ dans cette unition-là, on comprend qu'il est souverain, il est Seigneur, ce n'est plus ma décision, ce n'est plus ce que je fais qui compte, ce n'est plus ce que je pense qui compte, c'est ce que lui dit.
D'accord. Voilà. En ce temps-là, tu es mort à toi-même. Donc, Christ en est parlé de mourir à soi-même. En tout cas, le verset 34, qu'est-ce que ça dit le verset 34? Ainsi donc. Le sel. Ah, non, le sel est une bonne chose. Lis le verset 33. Ainsi donc, oui. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout. Comment ce tu dis doucement, frère? Tu as peur? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc, quand il dit ainsi donc, c'est la conclusion de tout ce qu'il a dit là-bas. Donc, c'est compliqué là-bas. Prends cela, d'accord, frère? C'est quiconque d'entre vous. Il n'a pas dit que Paul peut ne pas renoncer. Il a dit quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Je repose encore la question que je posais tout à l'heure. Tu es disciple de Jésus, tu as renoncé à tout. Jésus dit que pour être disciple, il faut avoir renoncé à tout. Il dit tu es disciple, tu dis oui, mais tu n'as pas renoncé à tout. Donc tu es un peu disciple de Jésus, pas vrai? Tu es seulement un peu disciple de Jésus. Tu n'as pas tout renoncé. La question c'est comment renoncer à tout. Ça dit que il faut que la dépendance de ton être sur les objets de ce monde-ci soit assujettie par l'esprit. Il te dit que les objets de la chair n'aient pas de contrôle sur toi, mais que ce soit l'esprit qui domine. Par exemple, l'argent. Il n'est pas dit qu'on n'utilise pas l'argent. Mais la Bible déclare que c'est la racine de tout le monde. Et quelques-uns ayant été possédés par l'amour de l'argent sont jetés eux-mêmes dans le détourment. Alors, maintenant, tu dis quoi qu'il n'utilise pas l'argent. Quand ton crédit va finir, tu vas savoir de quoi il est question. Des questions? Oui, prenons où? On prend où? Oui, tout. La question, c'est. Vous entendez là-bas? Quand il est acte, ça fait des lieux. Comment faire maintenant? Regardez. Si quelqu'un parle ici et qu'on n'entendait pas, pointez-lui du doigt comme ça là. Faites seulement comme ça, d'accord? Voilà. Oui. Quand j'ai dit la vie des premiers disciples, par exemple, la vie dit quand ils étaient rassemblés, chacun vendait tout ce qui. C'est moi qui ai posé la question. C'est lui qui pose toujours la question. Il m'approche. Allons-y. Chacun vendait. Oui. Lorsqu'il croyait, il vendait tout ce qu'il avait. Oui. Il vendait le partage. Vous entendez ce qu'il a dit? Vous entendez ce qu'il a dit? Ok. Et on faisait le partage équitablement. Et je vois la vie des achetés. Non, on ne faisait pas le partage équitablement. On faisait le partage selon le besoin de chacun. Parce que équitablement, ça veut dire que chacun, si c'est 100 000, chacun prend 100 000. D'accord? Donc selon le besoin de chacun. Oui. Vas-y. Et je remarque que la vie des premiers disciples, c'était vraiment qu'ils abandonnaient tout, ils vendaient tout. Mais pourquoi aujourd'hui, dans notre ère, c'était plus? C'est-à-dire qu'on prend un exemple de disciples, pas vrai? Toi, tu as vendu tout, frère. Je suis pas pour ça, là. Qu'est-ce que tu as? Donc ça dit que toi, tu ne veux pas encore pratiquer, tu veux que des autres qui pratiquent. Quand tu lis quelque chose dans la Bible, quand tu lisais ça à la maison, tu lisais avec quelqu'un. Hein? Quand j'ai lu ça, ça semblait clair un peu, j'ai dit, mais... Oui, attends doucement. Ça c'est ta Bible. Quand tu es seul à seul, quand tu lis pour qui? Voilà. Donc, ça veut dire que tu lis pour être meilleur, non? Donc, quand tu ouvres la Bible, tu lis que les disciples vendaient. Qu'est-ce que tu es censé faire, toi? Bon, je n'ai pas c'est les miens. Marceau, il dit qu'il n'a pas assez de biens. Donc... Est-ce que dans les passages du chapitre 2 que tu as lu, on a dit que les disciples avaient assez de biens? On a dit ça, frère. Mais comment tu veux assez? Donc ça veut dire que tu veux te rendre, il faut que j'ai deux ou trois choses quand je vais vendre. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous allez sur la chaîne YouTube Bambaïba, vous allez trouver, il y a un papa qui était venu à la maison et qui, avec sa fille, je crois qu'il a dit qu'il a dû marcher, il est allé même au crâne, au village, je ne sais pas quel est le titre de cet enseignement. Et puis il est venu pour la délivrance de sa fille. Et dans cet enseignement-là, justement, il lançait un autre sujet parce qu'il disait qu'il était un taximan et qu'il n'a même pas où mettre la tête. Où, qui a la suivi cela? Il me semble me poser la question à moi-même. Vous savez, j'ai pris que. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit vient, que chacun va dans son côté. Parce que ça va alléger la tâche. Parce que si le Saint-Esprit est là, personne, tu n'as plus venu demander que ta part du Saint-Esprit a dit quoi. Chacun aura sa part du Saint-Esprit qui va lui dire ce qu'il veut. Et là, on pourra faire ce qu'il faut faire. Donc maintenant, ce papa, si c'est un papa, il a peut-être là 70 ans. Quelqu'un qui est sur la terre à 70 ans n'a pas encore même son propre terrain, même son propre chose. Et puis Dieu m'a donné une femme. S'il y a femme sur la terre, c'est ma femme. Quelqu'un vient nous donner un terrain, dit voici le terrain pour vous ici. Et puis ma femme dit, ce serait bien de donner une partie de cela à ses papas, si une partie à tel ou tel frère qui n'a pas de quoi. Hein. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vous dis parce que les papiers ne sont pas encore finalisés. Donc,
C'est pourquoi vous ne pouvez pas parler le dire. Et c'est pour ça qu'ils ne citent pas de nom, justement. Alors donc, ce terrain-là, c'est destiné pour eux. Une partie pour ce papa-là. Lui, il est quelque part, ne sachant pas que quelque chose est prévu pour lui. Tu comprends ça, frère? Parce qu'il est dans le besoin. Il doit, un papa de 70 ans ne peut pas être quelque part en train de lui ici, aller ici, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler, on va lui donner ce terrain, c'est ta portion ici. Si tu peux construire, là-bas, tu construis. S'il faut qu'on l'aide pour pouvoir le faire, on va le faire. Et l'autre frère, c'est qui, dans cette direction, c'est la gestion, on va lui donner une autre portion. Voilà ce qu'il en est. Qu'est-ce que moi, je vais faire avec le terrain, mon frère? Si je viens, tu vas me chasser. Mais il en a beaucoup plus besoin que moi. Tu comprends cela, hein? Donc ne dis pas que tu n'en pas seulement. D'accord, frère? Tu as le sac, non? Combien je paie des chaussures? Mon niveau. À ton niveau. Si il demande à ses frères, peut-être le frère n'a même pas le paire de chaussures chez lui. Donc si tu dis, j'ai lu les disciples dans la Bible, les disciples. Il y a un enseignement ici, on avait fait, ils avaient tout en commun. Et c'est un enseignement qui m'a bouleversé moi-même, parce qu'avant qu'il ne prêche ça, le Seigneur m'a dit qu'il va faire 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne, normalement, il jeûne, c'est pour aller prier pour les malades ou prier pour les gens. Il veut 7 jours, il dit qu'il va prêcher, qu'il avait tout en commun. Qu'il avait tout en commun, il faut qu'il prêche. Parce qu'il y a une résistance contre la manifestation de l'amour. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et puis, je viens prêcher. Je ne sais pas qui était là. Vous avez remarqué que j'ai commencé à prêcher 1, 2, 3 fois. Et puis, il me dit que telle personne va quitter, telle personne va quitter, telle personne va quitter. Vous comprenez cela? J'ai dit souvent à mon épouse qu'après ce message, cette personne ne sera plus là. Parce qu'il ne pas entendre ce genre de message. Donc, c'est bien de dire Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, jusqu'à ce qu'on touche. On ne touche pas grand chose. Les choses sur le bien matériel, tu vois le vrai visage de quelqu'un sorti. Le bien matériel. Ils avaient tout en commun, ils disent que tu as fabriqué quoi. Mais quand manifestement, il va aller dans la Bible, quand il va lire ça, il va courir rapidement, traverser. Mais c'est la réalité. Pourquoi? La Bible déclare que ces gens étaient gouvernés par l'amour. Parce que tu ne peux pas dire que je suis ton frère, il ne peut pas participer à ce que toi, tu ne peux pas participer à ce que j'ai. Ok, ce que tu as rencontré, donc maintenant, toi-même, tu dis que je n'ai pas assez de grands biens. On n'a pas dit que quelqu'un avait de grands biens. D'accord? Or, on a plutôt présenté quelqu'un dans la Bible qui avait quelque chose qui lui appartient, parce qu'on ne te force pas de le faire. C'est ce qu'Ananias et Saphira devraient comprendre. On dit que quand tu avais le terrain, ça te revenait. Et après l'avoir vendu, c'est toujours pour toi. Donc, personne n'était obligé de venir ici avec. Donc la façon de venir et mentir au Saint-Esprit, c'est ça qu'il en est. Comme le vent en train de souffler, qu'il en est devenu, il faut qu'on fasse attention avec ces choses-là. Ils avaient tout en commun. Donc si tu constates donc que les disciples vendaient ce qu'ils possédaient, il y a des gens ici peut-être même qui ont même 4 champs, 4 terrains. Vous remarquez que j'ai seulement parlé de ce qui était. Tu as encore posé la question, hein? Je dis parce que avant de voir ça dans la vidéo, il y a quelqu'un qui a parlé où une maman s'est rendue devant moi. C'est bien ça. C'est bien ça. Si maman s'est gardée devant moi, oui. Elle dit ça comme ça. Oui. Je demande parce que ça va parler à moi personnellement. Elle coûtait 100 000. Oui. Et elle voulait 100 000. Oui, elle me coûtait. Oui. Et véritablement, j'avais les 100 000. C'était tout ce que j'avais. Pour moi. Et là, mon cœur m'a dit donne-lui les 100 000. Prends-lui les 100 000. J'ai résisté, j'ai pas donné. Lève-toi, tu es intéressant, viens. Donc une maman vient vers toi, elle a besoin de 100 000. Et tu as les 100 000 à la maison. Un cœur te dit que donne, tu as résisté à ce cœur-là. Donc même à ton propre cœur, tu refuses. J'ai dormi, j'ai non. J'ai dit tout ce que j'avais pas pour moi après. Il dit, donne. Le cœur a dit donne toujours, que donne. J'ai pas donné. Et en détente, tu dis que merci, donne les 100 000 si. Et demain matin, tu veux faire comment? Oui, explique-nous l'histoire. Et c'est quand j'ai lu, je lisais, c'est là que le cœur me dit, tu vois. Tu vois cette femme, j'ai 100 000 là, tu n'as pas donné. Tu as fait comment donc? Je l'avais sur la Bible. Notez Esaïe chapitre 58, j'arrive. Parce que quand tu as lu ça, tu as laissé la Bible comme ça là. Avant, j'ai la Bible, quand je priais, la femme là, ça me venait dans ma mémoire. Elle ne ferait que venir. 100 000 là. J'ai pas dit. Après, c'est vrai, j'ai demandé pardon à Dieu, mais c'était parce que j'avais. Non. On va régler ça maintenant. C'est le Saint-Esprit qui veut qu'on règle ça maintenant. Donc finalement, jusqu'à présent, là où tu es devant moi, tu as donné 100 000 là. Non, c'est depuis. En fait, Attends, il m'a demandé depuis quand. Il dit que, est-ce que, donc, comme tu es devant moi là, est-ce que tu as donné finalement, en fin de compte? Elle a trouvé la solution. Elle me dit, je te pose une question, tu proposes une autre question. Il dit, il n'a pas demandé, est-ce qu'elle a trouvé la solution? Il a demandé, est-ce que tu as fini par donner? Non. Voilà, c'est ça, c'est bon. Maintenant, continue ton histoire, on arrive. Non. C'est... Vous savez, moi, il parlait tout à l'heure, il finit de montrer l'histoire des terrains, il partait. C'est lui qui a encore qui a amené là. J'ai dit non, c'est tout. Bon, moi, je pensais que c'est l'esprit. Là où je sors, c'est l'esprit de le dévoreur qui est en train de me pousser à donc, la femme, la maman, c'est un effet de dévoreur. Je dis que le dévoreur qui veut me pousser à donner parce que le fait de. Ah, ok. Donc, la partie du cœur qui disait donne, tu crois que tu es sur le dévoreur qui veut me pousser à donner. Pourquoi tu ne dis pas que c'est le résisteur qui essaie de dire que ne donne pas?
Tu as seulement vu le dévorer. Vous allez me tuer dans cette assemblée, je vous dis. Ok, donc tu as compris que c'est l'esprit du dévorer qui fait. Et quand tu lisais la Bible, l'histoire de la femme vient dans la tête, tu crois que c'est qui te présente le jour. Non, j'ai lu, c'est quand je lis, c'est des achats de toute façon, je dis, c'est moi, l'appel est vraiment bon. Ça me parlait d'avoir moi personnellement. Mm-hmm. Là, il demandait, dans ce cas, c'est pas évident, vraiment. Mm-hmm. Donc, ce que tu as de faire là, on appelle ça la rencontre dans l'intimité avec Dieu. Donc, tu as rencontré Dieu dans l'intimité. Timothée, tu vas un peu balancer là-bas la Bible, tu dis que ça c'est quoi ça? Bon, maintenant, voici ce qui se passe. Tu vas rentrer vers ce moment-là, tu vas lui donner les 100 000 sans plus jamais demander. Tu as entendu ce qu'il dit? Tout le monde a entendu, même loin là-bas. Même loin là-bas, ils ont entendu, sauf lui qui est devant moi. Tu vas aller vers ce moment, tu vas lui demander pardon en lui donnant cet argent-là, il ajoute même 10% encore. Donc, tu vas lui donner 110 000, d'accord? Tu demandes pardon, qu'elle daigne accepter cela et qu'elle te bénisse avec sa bouche. Cette maman-là, c'est la source de ta bénédiction. Mm-hmm. Tu as suivi? Cette maman-là, c'est la source. Donc, cherche 110 000 francs que tu vas lui donner, pas prêter. Tu as suivi, chérie? Et ne prends pas cet argent-là à quelqu'un pour aller donner. Travaille sur ça, te fasse souffrir. Tu prends ça maintenant, quand tu regardes comme ça, tu reviens. Tu pars, tu lui donnes 110 000. Quand tu as 110 000 maintenant, tu vas nous dire la suite de ta vie ici. D'accord? Ouvrez, assieds-toi mon cher. Vous voyez les problèmes que nous avons. Les problèmes que nous avons. Regardez, avant qu'on ne lise Esaïe 58 là, dans le livre des Psaumes chapitre 41, si vous lisez le verset 1 à 5, la Bible déclare heureux ceux qui s'intéressent aux pauvres. N'est-ce pas? Que ceux qui s'intéressent aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Il ne les livre pas au bon plaisir du méchant. Même si son lit de malade, l'Éternel les délivre. Et quand on enseigne ainsi, quoi que d'ailleurs dans notre enseignement, les sources de bénédiction. Vous avez suivi ça, les sources de bénédiction, c'est trois parties. Les sources de bénédiction. Les gens qui sont dans le manque, les orphelins, les veuves, les étrangers, ce sont des sources, ce sont des banques de Dieu. La Bible dit que ce sont des banques de Dieu là-bas. Voilà les banques où Dieu veut qu'on stocke son argent. Et dans cet enseignement, je dis, quand vous voulez donner quelque chose à un pauvre, à un orphelin ou à un peu, il faut supplier Dieu, même que Dieu permet qu'il prenne. Donc vous devez même vous mettre à genoux pour donner votre chose à quelqu'un. Pour que ce soit une bénédiction pour vous. Vous ne devez pas donner comme si vous aidez la personne. En fait, quand vous donnez à quelqu'un, c'est votre propre vie que vous redémarrez d'une certaine façon. Amen. C'est ce que la Bible réclame. Donc, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un en disant que je donne quelque chose, j'ai aidé ses frères, il n'a pas été reconnaissant. Souvenez-vous que ce n'est pas à lui que vous faites ça. Souvenez-vous. Vous vous souvenez de Matthieu chapitre 25 où le Seigneur Jésus-Christ dit, quand il va venir sur le trône de sa gloire, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Il va mettre les brebis à sa gauche et les boucs à sa droite et les boucs à sa gauche. Il va dire aux brebis qui seront à sa droite, entrez dans la joie de votre mère. Quand j'avais eu faim, vous m'avez donné à manger. Vous voyez, l'étonnement de ceci. Mais quand nous avons vu, quand je n'ai jamais vu Jésus sur la terre, quand il dit qu'à chacune des fois, vous avez fait ces choses à l'un de ces petits qui croient en moi, c'est à moi que vous avez fait. Donc manquer de faire ces choses-là à ceci, c'est manquer le Seigneur. Remarquez que dans les Saintes Écritures, il n'est pas dit que dans ce livre de Psaume 77 là que Dieu est le père des orphelins chrétiens. Il n'est pas dit ça. Il n'est pas dit que Dieu est le défenseur des veuves chrétiens. Il n'est pas de telles choses. Quand tu es veuve, parce que les attributs de Dieu se trouvent dans toute l'humanité. Que tu sois corrompu, que tu sois n'importe quoi, quand tu es père, il n'y a pas de papa sorcier. En tant que papa sorcier, il porte l'attribut du père. Parce que le seul père qui est saint, c'est lui. C'est son modèle qui est répliqué là-bas. Et par conséquent, quand il parle d'un orphelin, on dit que Dieu est le défenseur, c'est celui qui défend les orphelins. L'orphelin n'a pas besoin d'être croyant. En tout cas, la Bible révèle même que si l'orphelin vient, même si un incroyant vient et crie contre son peuple, il va traiter contre son peuple. Parce que son peuple devait comprendre la justice, comment marcher. D'accord? Dans ce livre de Psaume 41, donc, il dit que celui qui s'intéresse aux pauvres, Dieu là, celui-là, il est déjà heureux. Même si son lit de malade, Dieu se souvient de lui. C'est ce que la Bible nous révèle. Et puis les gens ont des choses. Vous dites, et chaque fois il dit, vous avez quelque chose à la maison. La personne s'est déjà prié. Vous êtes, parce que tu as 100 000 francs, tu auras besoin de quelque chose que tu vas demander à Dieu. Tu ne seras pas à 100 000 francs toujours. Tes 100 000 francs ne pourront pas t'aider à résoudre tous tes problèmes. Parce que tu auras besoin. Ok, cette femme a besoin de 100 000. Toi, tu as ces 100 000. Tu auras aussi besoin de quelque chose. Et c'est pour que tu aies problème de santé. Donc 100 000 francs sur un islam. Là, tu vas réclamer à Dieu, au Seigneur. Donne-moi au Dieu de quoi la guérison. Accorde-moi la guérison. C'est ce que tu as demandé. Pourtant, tu as 100 000. Tu te rends compte que 100 000 ne peut pas donc te donner la guérison. Entre temps, son besoin à elle, c'est 100 000. Et puis, il est révélé dans sa vie que toi, sa bénédiction est descendue vers toi.
tu as retenu cela. Elle vient dire que ce qu'elle voulait te dire, donne-moi mes bénédictions. Quand elle a demandé 100 000 et que c'est ce que vous devez aller, que ce que tu avais à la maison, tu devais trembler déjà pour commencer. Que quand même, elle demande une valeur exacte. Quand vous avez seulement 10 000 francs sur vous, quelqu'un me dit, frère, j'ai besoin de 10 000. Vous devez poser la question sur cette question-ci. Qui en est de poser la question? Tu comprends cela? Donc, quand la personne se présente devant toi, prête-moi, tu ne dois même pas prêter. Dans Luc chapitre 6, verset 32, il est dit que prêter sans rien réclamer en retour. Donc, quand tu donnes, il ne faut pas dire que non, 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 j'attends cela. D'accord, mon cher? Et la Bible va plus loin en disant, afin que vous soyez les fils du très haut. Parce qu'il est bon pour les justes et les injustes. Pour les, il fait lever son soleil sur les ingrats. Et sur, c'est pas ça, frère. Même ça, tu as dans Luc. Quand tu lis, tu dis, non, ça c'est au temps de Jésus. Donc, le soleil s'est levé, c'est au temps de, au temps de Jésus. Alors, manquer de donner quelque chose à quelqu'un sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est manquer vraiment Dieu. Et tu vois, par la suite, dans ton témoignage, tu dis qu'il y a eu beaucoup de conflits en toi. Chaque fois que tu vas lire la Bible, tu vois sa même femme là. Le Saint-Esprit te dit que la main est là-bas. Maintenant, quand tu manges le quoi, on prépare le plantain pilé, tu finis de manger, quand tu manges, tu oublies, tu prends le ventre. Tu te poses la question, ce problème est résolu devant Dieu. Le fait que tu ne vois plus, ça ne veut pas dire que le problème est résolu devant Dieu. D'accord? Il a dit, celui qui sera infidèle pour les moindres choses, on ne peut pas lui confier les grands. Donc tu dois te repentir. Et même devant ce moment-là, tu dois devoir lui confesser que le jour où tu t'es venu pour me demander, j'avais cela. J'ai compris maintenant, Dieu m'a appris maintenant à comprendre que j'avais tes bénédictions. S'il te plaît, maman, prends celle-ci et bénis-moi. Elle va te bénir, d'accord? Elle va te bénir. Et quand elle va te bénir, regarde la suite de ta vie. Ésaïe chapitre 58. Avec ce sujet-ci, je veux que vous saisissiez ceci. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, ne vous en vantez point. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, ne vous en vantez point. Parce que si vous en vantez, c'est contre vous-même que vous en avez de faire. Et quand vous le donnez à quelqu'un, ne dites pas que je l'ai aidé. C'est vous qui vous avez aidé. Dans le Proverbe chapitre 19, la Bible déclare que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui le lui rendra. D'accord? J'ai lu quel livre déjà? 58. Vous y êtes, tout le monde y est. Il faut qu'il fasse venir finir, il faut qu'on fasse. Tu as ça devant toi, mon cher. Tu n'es pas encore dans Isaïe. Il faut que tu regardes cela. Si vous regardez le titre de cela dans la Bible, il est dit le vrai jeûne. Donc le jeûne que Dieu agrée. Dans ce livre-là, Dieu se plaint à son prophète vis-à-vis de son peuple. Il crie à plein gosier et dénonce à mon peuple ses péchés. Il dit tous les jours, il m'invoque, il demande des arrêts de justice comme un peuple qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Et puis, il donne le sujet des plaintes que ce peuple, quand on parle de murmures, vous ne savez pas ce qui se passe même ici là, les murmures. Il dit, c'est ce que Dieu a parlé au prophète, il parle avec le prophète, il dit que ce peuple-ci m'invoque chaque fois, va le dire ceci. Ça veut dire que ces gens-là, dans leur quotidien, quand ils viennent au temple, ils prient, voilà les choses qu'ils réclament devant Dieu. Dieu envoie la réponse maintenant pour montrer ce qui bloque leur situation. Il dit, dis à mon peuple, crie à plein gosier, dis à mon peuple son péché. Il dit, tous les jours, il m'arrête, il me demande des arrêts de justice. Il dit que les gens viennent vers Dieu, que Seigneur, justifie-moi, demande tes choses. Il dit qu'ils le font comme un peuple qui n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Donc ça dit qu'ils ont abandonné Dieu d'un côté par sa parole, mais ils cherchaient ce même Dieu-là pour le bénir ou pour lui donner quelque chose. Vous comprenez? Puis il dit, dans ces choses-là, dans cet abandon-là, il y a des murmures que ces gens-ci se font. Il dit que dans leur jeûne, ils ont même jeûné un jour, parce que quelqu'un est sorti de la maison, il a dit que nous sommes des jeûneux. Si tu n'y as point égard, parce qu'ils ont jeûné, rien ne se passe. Ils ont prié, rien ne se passe. Dieu dit, voici ce qu'il dit donc à l'issue de leur jeûne. Il dit, ils jeûnent et puis ils disent que nous sommes des jeûneux si tu n'y as point égard. De mortifier notre âme si tu ne regardes pas. Et il dit, Dieu dit, est-ce que courber, c'est courber comme un jeûne, comme le jeûne, n'est-ce pas frère? Comme un jeûne. Est-ce là ce que vous appelez un jeûne? Vous comprenez cela? Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est merveilleux. Dieu fait ça pour corriger l'homme. Pour que l'homme vienne de chez lui de la bonne façon. Il commence à énumérer ce qu'il faut faire pour être plaisir. Il dit que ces jours de jeûne, c'est un jour où la voix de l'homme est entendue en haut. Ça veut dire que si le jeûne est fait de la bonne façon, avec le nom biblique, on sera exaucé. Pas vrai, frère? Amen. C'est ce que Dieu dit. Il est un jour agréable à Dieu. Où l'homme mortifie son âme. Mortifie son âme, humilie son âme. Le mot qui est utilisé là-bas, c'est humilier. Donc, humilier son âme, c'est venir dans le jeûne, étant dans la contrition. Le cœur doit être contrit. Si ce n'est pas contrit, tout ce que tu en fais, c'est pour la chair. On fait cela donc par routine.
Le cœur doit être contrit. C'est ce qu'il a dit. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, le cœur doit être contrit. Et donc, le prophète ici reçoit le message de Dieu d'aller dire au peuple. On va prendre à partir du verset 5 maintenant. On y va, frère Poisson? Oui. Verset 5, et suivant. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Vous entendez ça, hein? Donc, ok, ça veut dire que tu veux jeûner. Chaque fois que vous voulez jeûner, venez dans ce verset-ci. Comme Dieu a mis comme ça, n'essayez pas de dire que non, ça c'est l'Ancien Testament. Donc, comme dans le Nouveau Testament, il est permis de jeûner avec la méchanceté sur le cœur. Donc, ça veut dire que c'est un prophète qui a parlé. Ça, il ne s'agit pas de la loi, il s'agit de la parole du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui a dit, voici la loi, enfin, le jeûne, ok, je prends plaisir. Comme il a dit, ça ne peut pas changer. Alors donc, il dit, pendant que tu es en train de jeûner maintenant, tu dis, Dieu dit, voici, comment jeûner pour plaire à Dieu. Il dit, détache les liens de la quoi? De la méchanceté. Je dois vérifier si mon cœur est méchant. D'accord? Continuons. Dénoue les liens de la servitude. Les liens de la servitude. Il faut qu'on fasse, on va trouver pour le garçon là. Allons-y. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Quand je rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ok, mais lis là-bas 100 000. Lis avec 100 000. Allons-y. Partage tes 100 000 avec celui qui est dans le besoin. Il demande à Passo de lire et rire. Il dit, lis et rire. Donc, toi, tu dis, partage ces 100 000, c'est 100 000 que tu vois. Oui, ça, c'est la chose. Le problème, c'est, dans ces versets-ci, c'est à l'issue des énumérations que Dieu va donner à l'issue des jeunes. C'est qui les retombées. On va aller au niveau des retombées. Tu vas voir de quoi les questions. Ici, il dit, partage ton pain avec celui qui a. Voici manifestement, non seulement une maman, peut-être même c'est une veuve qui vient pour supplier ce garçon-ci de lui donner quelque chose, il ne donne pas. Quand ce moment-ci part, et que cette maman-ci a eu un rêve que cette personne-ci a 100 000, et vient lui dire, Seigneur, tu m'as menti parce que tu as dit qu'il avait 100 000. Le gars a résisté à Dieu. Il a appelé Dieu dévoreur. Il a dit que Dieu qui parlait dans son cœur, dans le cœur, parce qu'il y a un cœur qui dit oui, un cœur qui dit non. Comme le oui, c'était pour sortir l'argent. Il a résisté plutôt à celui-là. Pointez quelqu'un. Pour être quelqu'un, tu dis, ne résiste pas à l'Esprit de Dieu. Et vous remarquez, quand l'Esprit de Dieu parle dans votre esprit, dans votre cœur, c'est comme ça là. Il va insister. Il insiste sans forcer. C'est ce qui est bien. Il insiste sans forcer. Pour te donner ta volonté, que ta volonté agisse. Mais quelqu'un qui est soumis à l'Esprit doit laisser justement le Saint-Esprit le dominer. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est de nous conduire. Parce qu'en réalité, le mouton ne sait pas comment se conduire. On nous appelle les brebis. Les brebis sont les moutons. D'accord? C'est pour ça que nous avons besoin d'un berger. Nous avons besoin d'un guide. Nous avons besoin d'un conducteur. Christ Jésus a dit, il ne nous laissera pas orphelin. Il va envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité, pour nous conduire. Vous comprenez? Et il dit, ok, à toi, voici la direction. Vas-y. Il dit, non, il ne donne pas. Non. Toi, esprit de voleur, quitte au nom de Jésus. Toi, esprit de voleur, quitte au nom de Jésus. Et l'un des chasseurs, comme ça, le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Continue, mon cher frère. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Je suis sûr que si la maman venait encore dans la maison, elle lui dit qu'il ne suis pas là. Continue, mon frère. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Vous entendez ça, hein? Bon, vous voyez qu'ici, il n'y a même pas de parabole, il n'y a pas besoin d'explication, non? Si tu vois un homme nu, fais quoi? Couvre-le. Et détourne point de ton semblable. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est de ton semblable, ne t'en détourne point. Continuons. Alors, la lumière poindra comme l'eau. Nous sommes maintenant dans les bénéfices de cette pratique-là. Pas vrai? Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. En continuant. Et ta guérison germera promptement. Donc, on veut nous dire, la bienfaisance et la mise en pratique de ceci peuvent amener même la guérison. Vous avez suivi ça, frère? Continuons. Ta justice marchera devant toi. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Non, c'est dans la salle qu'on voit que nous avons la gloire de Dieu sur nous. Nous avons la gloire de Dieu sur nous. Pour vivre la parole, pas vrai? Amen. Allons-y. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Vous entendez ça, hein? Donc voilà les obstacles, donc, à l'exaucement.
Continuez. Tu crieras et il dira, me voici. Oui. Si tu es loin du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, oui. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Stop là-bas. Il donne quoi? Ta propre subsistance. Plus haut, il avait dit qu'on fasse quoi déjà? Qu'on partage plutôt. Mm. C'est-à-dire que si j'ai un pain, je coupe, je donne pour le frère s'il mange. Ici, on dit quoi? Que tu donnes ce que tu as. C'est-à-dire que si j'ai un plat de nourriture, tu fais comment, frère? Tu donnes. Un bon plat de nourriture, tu donnes tout ça. Et je mange quoi? Et c'est ce que la question qu'il a posée, non? Que je lui donne les 100 000 ici. Et puis je mange quoi? Continue. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, oui. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Vous entendez ça? Et tes ténèbres seront comme le midi. Continue, frère. L'Éternel sera toujours ton guide. Oui. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Vous comprenez ça? Quand il rassasie son âme dans les lieux arides, ça veut dire qu'il y a n'importe quel besoin. Dieu est là pour pouvoir. Amen. En tout cas, ferme la Bible, ne lisez plus. Toute question biblique a une réponse biblique. Amen. Maintenant, vous avez entendu. Souvenez-vous, lorsque vous sentez que je vous donne à quelqu'un, vous n'êtes pas en train d'aider la personne. Ne dites jamais que j'ai aidé la personne. C'est que vous avez empoisonné votre vie. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, s'il ne prend pas, il dit je ne prends pas, ne forcez pas. À moins que vous allez faire ce qu'on fait, on monte dans les télévisions pour qu'on voit les gens là. Mais si vous voulez donner de façon authentique comme Dieu a voulu donner. Regardez Paul, si vous lisez le livre des Romains chapitre 15, si vous lisez à partir du verset 19 et 20, vous remarquez que Paul demande qu'on adresse, parce qu'il est en train de faire la collecte pour aller, il devait passer en Espagne. Il demande qu'on adresse des prières à lui, pour lui en sa faveur, pour que les offrandes qu'il va donner là-bas au Jérusalem soient agréées des saints. Donc il dit, c'est même pas son offrande. On a collectionné les offrandes pour lui donner que va donner. Il dit que priez pour moi pour que Dieu touche leur cœur pour qu'ils acceptent. Donc ça dit s'il va l'offrande que Paul, ça c'est l'Achaïe et la Macédoine qui sont imposés ceci. On a voulu vous donner à Jérusalem. Il dit fous-moi le cadre cela. C'est que toutes les bénédictions des païens est dans l'eau. Donc on doit intercéder en esprit pour que les saints de Jérusalem fussent-ils pauvres, qu'ils puissent accepter ces offrandes. C'est incompréhensible aujourd'hui, non? C'est incompréhensible. Que tu donnes que chaque quelqu'un, tu dis, ma soeur, s'il te plaît, prends ça, merci de prendre. Si vous savez, comme Christ a dit dans le livre des... Pour l'apôtre Paul, Christ, et c'est quand même curieux si vous lisez ces versets-ci, dans le livre des Actes d'Apôtre, chapitre 20, le verset 35, Paul, l'apôtre, a dit que ces mains sur un travail pour pouvoir à tous les besoins de ceux qui étaient avec nos cas. Vous souvenez-vous de la parole du Seigneur qui a lui-même dit il y a plus de bonheur à donner. Encore, allons-y ça. Il y a plus de bonheur à donner. Encore, il y a plus de bonheur à donner. Car l'église des 21e siècle a entendu qu'il y a plus de bonheur à donner. Que de donner. Donc, il comprend Jésus-Christ qu'enfin, dans le sens contraire. Quand Paul dit souvenez-vous de la parole du Seigneur. Et vous allez dans l'évangile, il n'y a nulle part où Jésus-Christ a dit ça. Il dit, souvenez-vous de la parole du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si vous progressez dans ce verset 35 de Actes des Apôtres, chapitre 20, vous y méditez, vous dites, c'est Jésus qui a ouvert sa bouche pour dire pour les êtres humains sur la terre, ils sont bien s'ils donnent. Vous imaginez cela? Dans Proverbes chapitre 11, il est dit que l'arroseur sera lui-même arrosé. Donc si tu arroses avec l'eau chaude, on va te mettre l'eau chaude. Et comme la Bible déclare qu'on va mettre un bon goût et secouer, peut-être on va mettre le kamnogo dedans. Vous connaissez l'eau des pompiers qu'on fait comme ça, là, ça gratte là, non, Mami Wata. Voilà. Donc pour toi, ça sera le Mami Wata. Ils disent, l'arroseur sera arrosé. Tel qui donne délibérément devient plus riche. Dans le monde, c'est un principe qui n'a pas de formule. Parce que quand tu as 1 million en banque, quand tu as 900 000 pour donner à quelqu'un, ça reste 900 000. Mais Christ dit, il devient beaucoup plus riche. Pourquoi? Parce que le monde voit effectivement que s'il enlève 100 000 sur mon argent, ça va rester 900 000. Ils oublient qu'il y a le problème de santé quelque part. Ils oublient qu'il y a le problème de délivrance quelque part, le problème de maladie quelque part. Ils voient tout en termes d'argent. Dieu a dit, si tu donnes ta propre subsistance, il rassasiera ton âme dans le désert, ta lumière prendra sur les ténèbres, tes ténèbres seront comme le midi. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans les ténèbres là qui était sur toi pour que ça devienne comme le midi? Vous savez ça? Est-ce que le pain que tu as donné à quelqu'un peut être comparable à cela? Donc Dieu se donne le droit de manifester en retour ce que tu as semé selon la nature en conversion. Vous savez, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il y a des gens qui sont alités, qui sont couchés dans les lits de malades à cause du fait qu'ils ont refusé un bien quelque part. Tout simplement. À cause de cela.
Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Faites un bon usage. Que l'amour soit le socle, la base de votre fonctionnement chrétien. Si vous ratez cette base, c'est tout ce que vous avez construit là, c'est zéro. Il n'est pas question de la, dans la Bible des chrétiens qui savent réciter les versets bibliques. Souvenez-vous que les premiers chrétiens dont vous en avez lu ici, les histoires ici, n'avaient pas de Bible. Je veux que vous y amenez, quelqu'un mis là. Je veux que vous gardiez à l'esprit que votre Bible que vous avez devant vous, chacun a sa Bible comme ça là. Les premiers chrétiens n'en avaient pas. Ils vivaient au jour le jour. Quand vous entendez épître de Paul aux Thessaloniciens, donc on écrit une lettre, c'est une lettre qu'on a écrite. Au niveau de l'assemblée, on va lire pour dire au verset 8 que si quelqu'un avait dit ses instructions, s'il ne réside pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit, on finit, on met la lettre là-bas. Ils n'ont pas de Bible qu'ils lisent. C'est nous qui avons maintenant toutes ces collections de ces épîtres-là, maintenant qu'ils pouvons consulter et pour telle personne et pour les Corinthiens. Je vous pose là la question, comment est-ce qu'eux ils vivaient? Bon, si vous saisissez que, si vous parvenez à, vous comprenez que la vie chrétienne consiste à lire la Bible et à méditer. C'est pas seulement une question. C'est-à-dire la parole que tu as écoutée, tu dois méditer. Parce qu'eux, ils n'avaient pas de Bible, mais ils vivaient dans le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est dit là-bas que pour ce qui est de l'amour fraternel, écoutez bien ce qu'on dit les Thessaloniciens. Je crois qu'il y a un autre enseignement que nous avions fait ici. Prenons pour modèle les Thessaloniciens. Écoutez cela avec l'épître de Jacques. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne là-dessus. Mais qu'on a tout, ils vont toujours abandonner en amour. Donc les Thessaloniciens n'avaient pas les saintes écritures telles que nous avons aujourd'hui en canon, mais ils vivaient dans l'amour au point où le Saint-Esprit appréciait leur style d'amour. Pas vrai? Ça veut donc dire que l'amour ne peut pas être dissocié de la vie chrétienne. Parce que Jésus a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes nés, mes disciples, si vous récitez les versets bibliques. Amen. 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 Voilà. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. 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 Voilà. Vous entendez, non? Amen. Donc j'ai dit que Jésus a dit que si on est chrétien sur le site des versets bibliques, vous dites oui. C'est ce que Jésus a dit, le Seigneur, n'est-ce pas? Non. Ou bien par exemple, si on est prêché, vous a dit qu'il quitte rapidement, vous mangez la bouillie. C'est ça qui est intéressant. Si on dit que je suis en train de parler, vous n'êtes pas en train de me suivre alors. Le Seigneur Jésus a dit à ceci. Donc il dit, voici, quand il dit à ceci, tout ce qu'on est trop, il dit, ça veut dire que voici la preuve que vous êtes mes disciples. Il dit, si vous avez de l'amour entre vous. C'est pas ce qu'il dit, frère. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 17, il dit que si quelqu'un possède les biens de ce monde, et que voyant, on dit les biens. Là-bas, c'est pas la parabole. Si vous lisez les paraboles partout, là-bas, c'est pas la parabole. Il dit, si quelqu'un possède des biens de ce monde-ci, et que voyant, donc constatant, voyant son frère, voilà le verset. Tu as aussi lu ça, n'est-ce pas, hein? Ça t'a traumatisé aussi. Tu as laissé la Bible pour 2 jours. Hein? 3 jours, hein? Ok. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Le Saint-Esprit pose la question. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, ça veut dire que comment l'amour peut demeurer en toi? Tu te comportes comme ça. Au mieux encore, la question autrement c'est, vrai, es-tu disciple de Jésus? Parce qu'on a dit que c'est par la preuve de l'amour qu'on est disciple. Parce que si c'est pour confession, je suis disciple, tout le monde peut dire, je suis disciple. Parce qu'il n'y a pas de preuve pour dire de façon bocale que tu es disciple, tu ne peux pas dire non. Mais il y a une preuve sur laquelle c'est certain et c'est fondé. On va te tester là-bas. La pratique de l'amour. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, l'amour ne consiste pas seulement à dire que ma soeur, je t'aime, mon frère, je t'aime. Si quelqu'un même qui garde mes paroles, si quelqu'un même qui fait telle chose, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc, quand on aime, on donne. Donc, si vous avez quelque chose qui vous appartient, qui est pour vous propre, et que vous voyez que quelqu'un dans le besoin, vous ne donnez pas. Vous mettez vous-même la croix. Vous savez quand vous bavez dans l'école, mettez la croix là. Mettez la croix sur votre pratique de l'amour. La croix que vous avez mis là montre clairement que je ne suis pas parfaite à l'amour. Alors je recommence encore. Une vie chrétienne sans la vie pratique de l'amour est la religion pure et simple. Vous me suivez, n'est-ce pas? En tout cas, même si tu dis que tu as le don spirituel, le Saint-Esprit a réglé le problème dans les Écritures. Il dit quand tu auras même le don de faire tous les jours des miracles, si tu n'as pas l'amour, tu es un cymbale qui résonne. Alors ça veut dire que, en tout cas, comment le don spirituel sera là sans amour? Ça n'a même pas de sens. Parce que l'esprit de Christ est amour. Parce que c'est l'esprit d'adoption, l'esprit d'avoir donné par grâce. Comment vous pouvez recevoir l'adoption et on fait autrement? Vous avez mon frère?
Donc voici les sujets que quand on touche comme ça, les chrétiens sont frustrés. Mais soyez frustrés, c'est quand même la vérité. Si vous voulez prendre déjà des versets, qu'on dit que oh, Christ est en haut, frère, vous voyez quelqu'un pour... frère, où est... quand ta Bible, où est ta Bible? Toi, tu as pas la Bible, ta Bible est électronique, c'est la Bible d'amour. Oui. Papa, tu veux peut-être ta Bible, ma soeur, ça? Un frère prend la Bible comme ça, une grosse Bible comme la Bible des pasteurs pentecôtistes là-bas. Il dit, frère, éveille. Alors tu appelleras l'Éternel et il répondra. Le veut appeler, si tu veux que ça va entendre la profondeur de appeler. Dans la profondeur de quelque chose que tu ne peux pas savoir où le début est, là on entre la base là. Donc on cherche des révélations profondes, des choses cachées, des mystères cachés. Frère, Adam s'est caché derrière l'arbre. L'arbre là avec un fruit en haut. Quel est ton problème sur l'arbre que Adam s'est caché derrière? Il dit que non, j'ai une révélation. Parce que chaque fois qu'il y a un arbre dans la Bible, c'est comme ça, il y a les ombres comme ça là. Pointe quelqu'un. Dis, laisse l'arbre de Adam. Pratique l'amour. Voilà. C'est bon, non? Oui, mon cher. Oui, mon père. Vous pouvez dire à votre cœur qu'il est encore venu. Il est encore venu vraiment. Allons-y, frère. D'après les enseignements, il dit que le réveil aura lieu au Cameroun. Quand tu ne veux pas, même si l'enseignement ne dit pas, même si tu n'es pas là, ça doit avoir lieu dans le Coran. Il dit, c'est comme ça. Bon. Oui. Maintenant, ma question, c'est de savoir. Les chrétiens dans le monde entier attendent la visitation du Saint-Esprit. Partout. Quand serait-il Dieu alors? Ceux qui sont dans d'autres pays. Tu en as fini pour toi. Pose ta propre question. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? C'est comme ça que j'étais à l'université. Il y a un gars qui est sorti de la maison. Comme il pressait chaque jour, il presse chaque jour. Il sort de la chambre avec la cigarette. Il sort comme ça. Donc, il dit, Junior, il est en train de répondre aux questions. Il dit, Junior. Il me tourne. Je crois que c'est une bonne question qu'il va me poser. Il dit que Judas sera un enfant au paradis. Il tourne de lui, il dit pardon. Il dit Judas qui a vendu Jésus là, c'est là en enfer ou au paradis. Vous voyez les questions. Ok, si je dis que c'est au paradis, ça te change quoi? Si je dis que c'est au, en fait, ça te change quoi? Il dit mais là où il est là, tu aimerais y aller. Il est rentré avec sa cigarette là. Il est rentré avec sa cigarette. Le frère ici, je suis en train de parler parce que je vois des choses qui sont en train de venir sur le pays. C'est très proche devant nous. C'est parce que c'est lui de raison pour laquelle j'ai dit trouvez un jour, vous les hommes, vous vous rencontrer, on va partager ces choses-ci. J'ai dit quelque chose en d'arriver, vous regardez, la pluie en effet, vous savez quand la pluie est tombée, vous voyez que le ciel est noir et puis les petites gouttes commencent, c'est là, les prémices sont là. Et puis, le frère, c'est frère Brice, il dit, mais c'est dans le monde entier, sinon oui, quand sera-t-il aussi là-bas? Jésus dit à l'autre, la fille, même tu, père mes bébés, suis-moi, pendant que tu marches, quelqu'un dit que, et l'autre aussi, et l'autre aussi, c'est comme son cas, c'est quoi? Il dit, ton problème c'est quoi? Si il veut qu'il demeure jusqu'à ce qu'il vienne, quel est ton problème? Toi, suis-moi. Quand tu as entendu quelque chose, quand c'est pour toi, fais pour toi. Tu es là, tu cherches pour ceux du monde entier. Partout, tu vas aller dans le monde entier. Moi, j'ai prophétisé le réveil au Sénégal. Je suis suivi. Quand ça va être au Sénégal, boum, je vais aussi aller là-bas. Partout, il y aura le réveil, je vais aller sur cette terre-ci. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut venir avec moi, s'il vient, il ne se prépare seulement, on part. Quand vous entendez, écoutez, madame, bien. Écoutez très attentivement. Quand vous entendez réveil, vous voyez seulement le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Comment c'est la vie, n'est-ce pas? Souvenez-vous que si ça devait de cette puissance-ci, Satan va se réveiller avec puissance opposée. Gardez-vous à l'esprit, parce que depuis son palais, le réveil arrive. Donc, gardez-vous à l'esprit que derrière ce réveil se trouvent des persécutions extrêmes. Donc, il pourra des endroits où tu vas faire des miracles. Vous avez vu Étienne dans la Bible quand il y a le réveil, non? Vous avez vu le réveil, premier réveil de l'église. Premier réveil de l'église, un monde. On n'a pas tué quelqu'un qui ne comprenait pas la parole. Il maîtrisait là. La parole, il a prêché jusqu'à ce que son visage a brillé, jusqu'à ce qu'il a traumatisé les gens. On a dit, haute de la terre, donc on a dit que vous, la qualité de vous, vous ne vivez pas sur la terre, envoyez-le au ciel. Puisqu'on a dit, haute de la terre, un homme, non. Déjà, les hommes, si que le visage se tient, quand il prêche, son visage transforme comme l'ange. C'est au ciel qui doit habiter, donc va voir ton type là-bas que tu vois à la droite là. Donc quand vous parlez des réveils, gardez-vous cela à l'esprit, vous voyez seulement que cette personne va toucher quelqu'un, va sera guéri. Paul a délivré une femme qui avait l'esprit de Python. Ça lui a valu la ok. Non. Il veut délivrer les gens. Il veut tendre la main comme ça. Frère Junior, je donne la leçon. Il tend la main comme ça. Le feu sort sur les gens. Tu vois, quand Paul était en prison, il était en prison. Le Saint-Esprit qui était en lui. Hein. Dans la prison, là-bas, il avait le même Saint-Esprit qui a utilisé pour guérir les gens. Hein. Dans cette même prison-là, il a chanté les cantiques. Quand il chantait, il s'ouvre. Les grilles sont devant lui. D'accord, frère? Donc, je veux que vous gardiez ceci à l'esprit. Le réveil présage une confrontation entre les puissances de Dieu dans sa dimension spirituelle les plus grotesques.
Et en retour, le choc d'en face, c'est la résistance contre le puissant des ténèbres. Parce que c'est un ordre qui veut, c'est un ordre qui veut s'établir sur la terre. D'accord? Donc ne pense pas que le Saint-Esprit, que tu m'en veux au marché. Il se pourrait que tu guérisses quelqu'un qui est fou. Tu amènes dans la famille, on dit que désormais c'est toi qui vas prendre soin de lui. Quand il était ici, il n'était plus ici, là, on n'avait pas de problème. Vous entendez rire. Et puis tu commences à dire que non. La Bible dit qu'il n'est ni on ni argent. Tu vas avoir l'argent là-bas. Donc, ne pensez pas que la visitation était sainte justement pour faire du bien. Donc, vous remarquez que quelqu'un reste chez lui, il n'aime pas le manger. Et puis tu remarques que voici ton père qui était fou. Tu vois que sur l'expression du visage, personne n'est content. Tu dis, mais vous n'êtes pas content, votre père était fou, non? Il dit, tu vas t'occuper de lui maintenant. Dans la rue là-bas, il pouvait se débrouiller avec les maïs, les maïs là-bas. Donc ne pensez pas que le Saint-Esprit qui vient, c'est pour vous faire du bien seulement. Il fait selon ça, selon ses actions. Et comme personne ne maîtrise son programme, il donne seulement de grandes lignes. J'arrive. Il envoie les anges parcourent le pays pour préparer. Les gens font des accidents, découpent les gens dans le nord-ouest. Les anges sont là, ils parcourent, ils vont à la forêt. Donc quelqu'un entre dans la forêt, ils tirent les corps, ils font ça. Vous voyez ça? Il ne faut pas que les gens se vont dans cette direction là. Et puis, vous voyez, un ange se tient là-bas, vous faites du mal n'importe quoi devant lui. Il n'a pas reçu l'ordre de vous faire quoi que ce soit. Le moment arrive, vous entrez en scène. Quand vous pensez que l'ange qui était dans le bateau, qui devait amener Paul à Rome là, il est apparu à Paul la nuit, non? Pour lui dire que le bateau va se casser, vous n'avez pas nagé. Il a donné un bateau là pour nager, frère. Donc chacun était dans l'eau. Si je ne sais pas nager, tu vas savoir que le Saint-Esprit va te faire nager. Donc ne pensez pas que quand il y a le Saint-Esprit en toi, quand on te fait, on se dit, bam, tu disparais. Il n'y a pas un bouton, on appuie sur le Saint-Esprit pour disparaître. S'il faut te fouetter, on te fouette. Tu te fouettes. Quand on fouette, ça ne touche pas le corps du Saint-Esprit. Tu vas comprendre que tu as encore les nerfs. Donc préparez-vous. Quand on dit que je le sais. Mais ce qui est bon, c'est que à ce moment-ci, vous savez que vous êtes scellé pour l'éternité. Voici le point. Vous êtes scellé, c'est le signe, c'est le cachet final de Dieu pour dire scellé, propriété privée pour toujours. Donc, maintenant qu'on est. Arrêtez ça. Maintenant qu'on est dubitatif un peu, on ne sait pas si. Aujourd'hui, on est chrétien, demain, on n'est pas chrétien, demain, on est un peu chrétien, on est un peu disciple. À ce moment-ci, vous savez où vous êtes. Et c'est pour ça que vous allez voir dans les Saintes Écritures que tous ceux qui avaient le Saint-Esprit, quand les persécutaient, ils s'enregistraient plutôt. Mais maintenant, si tu te donnes deux gifles là, bon gifle, pas que tu te vois encore ici, tu vas dire c'est le frère Éveil, le frère Junior qui organise souvent les assemblées. Tu vas répondre même aux questions qu'on ne sont pas posées. Mais attendez, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient. Vous remarquez, Étienne, enfin, laissons Étienne, on l'a déjà fini. Philippe, lorsqu'il bâtit l'ennemi éthiopien, l'esprit de Dieu l'enlève, il disparaît, pas vrai frère? Il le transporte d'un point à un autre, et il continue le chemin. Il ne le met pas à l'endroit où il doit être. Tu vas marcher, donc il y a une partie, c'est Dieu qui va faire. Étienne, considéré, n'a pas prié que comment il va sortir pour aller. C'est le Saint-Esprit, selon sa guise, qu'il a enlevé. Et il a mis là où il doit mettre. Donc, tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit sont sous son contrôle. Il fait d'eux comme il veut. Il peut te livrer en sacrifice, comme il peut livrer, pour quand tu es à la fosse au lion, il peut te livrer n'importe quoi. Ça ne veut pas dire quand tu as le Saint-Esprit, dis que tapez-moi, ça n'a pas entré. Tu vas comprendre vraiment comment ça entre. Le Saint-Esprit est venu pour protéger notre rédemption. Vous comprenez ça? Pour mettre le cachet, pour nous sceller. Donc, quand sceller, ça devrait tout dire normalement. Pour nous sceller afin que nous soyons définitivement un paquet pour le départ. Okay, donc, quand on dit que, au lieu de regarder pour toi, que frère Junior, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous trouvez ces jours-là, donc on va se réunir, on va passer du temps. Vous allez déposer la parole. Je vais vous parler des choses qui doivent venir. Vous allez même prendre des notes. Vous notez point par point. Je vous dis en secret ce qui va venir. D'accord, frère? Et il faut éviter donc ces choses-ci. Et donc, le Seigneur va donner l'esprit de repentance au Cameroun. Le Seigneur va donner l'esprit de repentance. Et puis maintenant, le langage des prières. L'esprit de repentance et le langage des prières. Pas le bavardage. Le langage des prières. Dont le moment vient devant nous. Où la justice de Dieu entre en scène. Et où le ciel du Cameroun s'ouvre. De telle façon que quand on prie, il n'y a plus de délai pour les prières. Il n'y a plus de délai. Ce serait bien comme ça, pas vrai? Que Dieu vous bénisse. Autre question. Donc, frère Brice, la bonne question c'est, qu'est-ce que nous, ici maintenant, nous devons faire? Comme depuis 2009, tu en parles. 2009, on parle de l'église. Il y a des personnes qui se mettent là-bas, disent non, l'église, il n'y a plus de réveil, il n'y a pas de réveil dans les Saints-Esprit. C'est pas prévu, je sais. C'est pas prévu que le nom Cameroun soit sur la terre, pas vrai? Des questions, c'est quoi là-bas? Tu fais le banga mon ami, conduis deux papiers. La première question c'est, s'il vous plaît, je veux comprendre
ne comprends pas ce qui signifie le jour. Il faut combien de temps tu attends? Je réponds une fois. De Dieu lui, c'est que le jour. Le jour, c'est quoi? En fait, le jour, c'est une chose qui se trouve en toi qui doit être oublié. Simple, il fallait dire ça. Tu fallait écrire, tu veux écrire ça, battu dans ça. On quitte le problème, non? Pas ça. Des questions? Oui, mon cher. Oui, frère, dernier enseignement au sujet, c'est que le moment arrive où les étrangers viendront. Deviendront. Absolument. J'aime ça, j'aime au moins ça. Oui. Maintenant, c'est pour la grâce qui vient ici devant nous. Absolument. Et j'ai dans un ensemble, j'ai dit que quand ils vont venir, ne dites pas que nous avons juré pour notre Saint-Esprit. On vous refuse notre Saint-Esprit. D'accord? Il y a des gens qui sont venus au Cameroun. Ils ne savent pas pourquoi ils sont venus. Donc les étrangers qui, les Camerounais qui sont de part et d'autres, qui sont venus, ils sont établis, ils ne savent pas. D'autres vont seulement venir en visitation croyant qu'ils sont devenus comme ça pour leur famille. Leur vie va être bouleversée. Savez-vous ce qui s'est passé à Jérusalem dans le chapitre 2? On dit qu'il y avait un séjour à Jérusalem. Des juifs de toutes les nations qui sont ceux-là. Quand ils partaient là-bas, ils partaient pour être convertis. Pour la fête. Ils partaient au rendez-vous de la fête annuelle, qu'on sait que non. Chaque cinquantaine, il y a ça, il y a la Pentecôte, pas vrai? Ils montaient. L'autre Pentecôte là, c'était différent. Donc, c'est pour que ça commence pendant. Je ne dis pas que c'est ça. Il s'est pour que ça commence pendant le congé. Et puis, un monsieur qui est en frère, il dit que ouais, ça fait longtemps, il n'a pas vu ma famille en rang. Au Cameroun, pas vrai? Bien, latine. Ici, il dit que non. Bon, je suis pas croyant quoi. Quand tu entends le feu d'action, tu vas savoir de quoi est la question. Et puis, tu te mets quelque part là-bas, quelqu'un de les prêcher. La Bible déclare que la multitude, ayant vu ce qui est arrivé, a couru. Ils entendaient, ils étaient confondus parce qu'ils parlaient dans les langues qui étaient les leurs, dans ce courant. C'est quoi ça? Le simple fait d'avoir tiré leur attention là-bas, boum, ça les a pris. Ils sont partis de là-bas, juifs, frissolés, et quoi que ce soit, rentrés, créés, chrétiens. C'était dans l'agenda, mon cher. Ils vont venir. Dieu va rassembler ses enfants. Pourquoi qu'il veut faire? Il va, comme Dieu a dit, il va bouleverser la terre. Là. Il va bouleverser la terre. Et les gens viennent ici pour prendre. Pendant qu'ils partent un partout là-bas, dans l'autre pays, les gens prennent pour venir ici. C'est comme ça. Satan va avoir des problèmes sur la terre. Il va avoir des problèmes sur la terre. À cause de la visitation du Saint-Esprit. Et à cause des sangs qui ont été versés sur la terre subtilement. Et dont le cri est monté dans le trône. Le moment de justice. Il faut qu'un temps, on prend deux semaines pour parler seulement de la justice de Dieu. Pour vous, c'est de quoi il est question? Justice. La justice de Dieu. Comment Dieu fonctionne dans sa justice? Souvenez-vous, la justice et l'équité sont la base de son trône. Gardez-vous à l'esprit cela. Il faut qu'on voit cela. D'accord, mes chers frères? C'est bon, n'est-ce pas? On veut les questions. On peut maintenant travailler maintenant. Ça va? Rapidement. Voilà. Oui. Dans le livre de... L'histoire de Nabal avec Abigail, on ne mentionne pas si Nabal avait l'enfant ou quoi. Est-ce qu'il avait entendu pour la vie? Vous avez entendu, non? Vous avez entendu? Donc, il veut savoir, Nabal avait les jumeaux, une fille, un garçon. Bon, il avait les enfants. Il avait les enfants. Comment? C'est ça qu'il voulait savoir. Mais il dit donc qu'il avait les enfants. Ça va, frère? Hein? Donc tu es satisfait du fait que j'ai dit que ça, il avait les enfants. Vous allez bien finir, je vous dis. Bon, maintenant, il dit, ok, j'ai fait l'erreur. Il n'avait pas d'enfant. C'est vrai qu'il a dit que comme la Bible n'a pas mentionné. Quand ça n'a pas mentionné, ça veut dire que tu tais-toi. Quand il n'a pas mentionné, ça veut dire quoi? Tais-toi. Non, la Bible n'a pas mentionné. Tu veux me dire que dans ma Bible, à moi, il te dit ce qui est écrit, non? C'est ce que tu veux qu'ils disent. C'est-à-dire qu'il dit, maintenant, après, tu sors, tu dis que Junior a dit que Nabal avait les enfants. Tu as vu ça qui n'est pas dans la Bible. Tu as vu ça, c'est quoi, frère? Ce qu'il veut me faire là. Quand la Bible s'était, tu te tais. Quand ça a dit, tu dis. On dit qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est et qui est écrit. D'accord? Si on prend l'histoire de 1 Samuel chapitre 1, l'histoire d'Anne maintenant, il y a des choses que je peux dire que vous ne trouvez pas ça là-bas. Je raconte l'histoire, comment elle s'est passée, je parle, je reviens là-bas maintenant. Tu vas savoir que c'est quoi. Donc, malgré que si on voit Paul dit telle chose maintenant, alors qu'il n'a pas mentionné dans la Bible, je vois Jean-Baptiste dire quelque chose. Vous comprenez ce que ça veut dire là maintenant, n'est-ce pas? Je vois tel prophète dire telle chose. Quand il dit n'importe quoi, je reviens dans la Bible, ça doit se retrouver là-bas. Mais je suis bien, n'est-ce pas? Ok. Et on va arrêter avec les questions. Oui. Oui, frère, c'est maintenant, ça c'est pour une précision. Je ne sais pas si j'avais bien compris. Il avait été dit que c'est le dernier réveil qui a menti. Oui. Bon, maintenant, tu viens me dire. C'est, oui, vas-y. Tu viens me dire qu'il y a aussi un réveil qui est préparé pour le cinéma. Donc, ça veut dire que il a dit que le Cameroun, donc tu veux dire que il a dit que le Cameroun c'est le dernier, frère. Bon, c'est pas la présidente. J'ai déjà dit ça ici. C'est pas ça, j'ai pas dit cela, d'accord. L'air où nous vivons, le réveil qui vient d'arriver, c'est le dernier. C'est ce que je viens de dire.
il y aura ici de façon sporadique. Au Cameroun, ça a son jour, l'autre a son jour, l'autre son jour, mais c'est la période. Parce qu'il faut que l'antique soit révélé. Il est là, pas vrai? Allons-y. Lèvons-nous alors, on prie. Que Dieu bénisse. Merci pour ces questions. Et merci pour les questions de l'enfant d'Abigaël. L'enfant d'Abigaël.